Trouve, chers amis, sur un tutoriel de la machine à cobble, hein, vraiment, c'est ça le truc. Je pense que la playlist, ce sera tutoriel machine cobble, un truc comme ça, hein, je sais pas. Du coup, vous vous rappelez de ça en fait, que je vous dis que c'est broken. Broken, on va dire broken, mais que c'est. Mais vous voyez que là, en 10 minutes, même en 7 minutes, 31 minutes, secondes, pardon. Que en 7 minutes 31, bah, vous pouvez avoir un full shulker. Malheureusement, c'est pas comme dans la Java édition où tu peux prendre une shulker. Sinon, je pourrais mettre une machine à côté où tu as un bouton qui te récupère une shulker et tu as un autre bouton où tu peux remettre une shulker. Comme ça, tu as vraiment une boucle en gros. Quand c'est plein, hop, tu mets dans le dropper. Le dropper il va prendre la shulker et puis il y aura un hopper qui va prendre ta shulker et va mettre dans un coffre. Et comme ça, tu auras un coffre plein de shulkers de cobblestone. Comme ça, t'as qu'à prendre ta shulker. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Je suis assez triste. Donc, l'objectif dans cette vidéo, c'est de refaire, donc, en gros, ben, en fait, ben, l'usine, pas l'usine à cobble, mais la machine, en gros, ben, comment ça s'appelle? La machine en fait, on va dire à cuire les blocs hein, qui permettent de faire qu'un seul truc, donc le off, donc la machine à cobble off, on va dire comme ça, là, parce que c'est un peu là l'enfer à expliquer. Donc voilà, comment on le fait? Comment le faire? C'est vraiment simple, c'est vraiment tout bête. Ça a la même, on va dire que. Ça a la même. Ça a la même. Comment expliquer? La même façon que celui-là, mais sauf qu'il n'a pas le système de piston en haut. Donc, on va faire pareil. Donc, c'est simple. On va prendre notre obsidienne. On sera en mode. Dans notre tête, qu'on est en skyblock. Hop, on pose notre. Four. Comme ça. Vous placez votre. Baril ou votre shulker. Moi, je vous conseille la shulker parce que la shulker va vous permettre de mieux facilement de prendre vos items en fait, qui sont d'optimisation de temps. Vous faites ça, vous reposez une autre baril au-dessus. Et là, vous allez demander que, mais comment tu vas faire pour verrouiller celui-là? En gros, c'est vraiment simple. C'est que lorsque je vais mettre mon piston, vous allez voir en fait. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Ça va vous gagner du temps et aussi des blocs de redstone. Là, on va placer donc le piston coulant et la redstone ici. Vous allez placer le bloc de piston coulant avec le sticky piston. Hop. Comme ça, et voilà, c'est terminé. En fait, c'est terminé. Il vous suffira donc relier le tout. Donc, ça, ah non, mais c'est pas comme ça en fait. Faire, je me suis trompé, j'ai un peu gouré. Vous faites comme ça, faire attention que ça n'alimente pas le bloc de redstone. Ça va poser des problèmes en fait. Vous faites ça, hop. Voilà, et c'est terminé. Donc là, il suffira mettre hop votre levier et c'est fait. Je vous conseille si ça manque de courant, mettre un répéteur. Mais normalement, ça manque pas de courant. Et vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc les. Ah, vous voyez que là, ça fonctionne pas parce qu'en fait, ça manque de courant. Donc là, ce que je vais faire, on va rajouter un répéteur. Et là, ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne correctement. Hop. Là, c'est on manque désactivé. Donc là, par exemple, je veux mettre de la terre, hein, pour faire cuire de la terre, pourquoi pas. Là, elle est en mode désactivé. Hop, oh, bah, il est toujours là-dedans. Et là, si je veux l'activer, ça va y aller dans le four. Donc, ce qui est vraiment cool, en fait. Ça te permet d'en faire une seule fois. Ça te utilise, donc, en gros, même pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocs de redstone.
plus ça 17, 18, 12 blocs, non 18 blocs de redstone, plus 2 pistons, 3 hoppers et c'est tout. Et 2 barils. Ah non, 3 barils, vu qu'il y a le charbon, j'ai oublié, désolé. Baril à charbon. Il y a aussi pour le charbon, donc 3 barils pour le charbon. Vraiment, il n'y a que ça, quoi. C'est vraiment plus simple à faire ça que ça. Donc moi, je vous conseille de faire celui-là si vous voulez faire une seule fois. Pourquoi ? Parce que celui-là, c'est un design qui va vous permettre, en fait, de faire en un seul coup. Et aussi, ça va être lié à cette usine-là. Pour faire, donc, lui, je crois qu'il fait 5 blocs, pas 6 blocs. Donc, c'est assez différent que lui, en fait. Donc, lui, il fera 5 blocs. Dans une vidéo, on va vous parler comment faire un générateur de cobble sur les différents types de phases de générateur de cobble dans chaque phase dans votre skyblock. Et donc, on va voir comment ça se gère, en fait. Donc, voilà, sur cette vidéo, je vous dis à la fois prochaine pour un autre prochain tutoriel. Le tutoriel Redstone, donc, est terminé, on va dire, pour aujourd'hui, c'est pas terminé 100%, mais c'est toujours terminé. Vous voyez, on a terminé ça et ça, c'est fini. On va se focaliser sur l'objectif du générateur à cobble, où on va parler des différents types de phases à générateur de cobble. Sur ce, je vous dis à la fois prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis bye tout le monde.